Bonsoir, les gars. Salut, Paul. Ça va ? Bonsoir, Paul. Ah, le vient du port. Le bateau vient d'arriver. La poudre est dans une serviette, comme d'habitude. Jules se chargera du gardien. À 6 heures, le chauffeur du colonel Ferry viendra chercher la marchandise. Elle est dans la cabine du capitaine. J'ai de bonnes raisons de le savoir. Moroni et moi, on a travaillé pour le colonel. On est au courant de ses affaires. Ah, j'ai un acheteur pour 180 millions. Pas mal, non ? Moroni et moi, on ne se fera pas voir. Ceux du bateau nous connaissent. C'est toi, Carter, qui dois faire le coup. 5 minutes avant que la voiture du colonel n'arrive, tu monteras à bord et tu iras voir le capitaine. Le mot de passe, c'est Il fait beau à Manacoa. Il te filera la coco. Ensuite, tu attendras le chauffeur, tu l'endormiras et tu prendras sa bagnole. Nous, on sera dans les environs pour intervenir en cas de pépin. Si tout se passe bien, on se tire et on se retrouve au parking. Mais si ça foire, n'hésite pas à tirer, surtout. Vas-y, répète-moi ta leçon. Que tout soit clair. Alors, je monte sur le cargo. Je vais voir le capitaine. Mot de passe, Il fait beau à Manacoa. Je prends la coco, j'endors le chauffeur et je l'amène avec moi au parking. Et toi, Jules ? Pour moi, c'est pas compliqué. J'assomme le gardien et je file tardard vous rejoindre. Parfait. Toi, Carlo ? Ben moi, je filmerai tranquillement une sèche pendant que les autres seront au boulot. Et bien sûr, en cas de pépin, Tony viendra à la rescousse. Tony ? Ouais, mon pétard. Ah. Tout est bien clair, oui ? Ouais, ouais, tout est bien clair. Je vais donner un coup de fil. Monsieur. Il fait beau à Manacoa. Qui êtes-vous? Le nouveau chauffeur du colonel Ferry. Il y a un tout petit ennui. Le mot de passe n'est plus le même. Ça pue le roussi, il faut y aller. Dégrouille-toi. Voilà, il a la serviette. Fonce! Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu du grabuge. Avec lui, Jules. D'accord. Hey, on se retrouve chez Théodore. Compris, les gars? Ok, tout à l'heure. Dis donc, tu nous les casses, t'en connais pas une autre, Freddy? Remarque, je l'aime bien, moi aussi. Bien que pour moi, elle n'évoque pas les mêmes souvenirs que pour toi. Tu me diras, c'est évident, puisque tu l'as composée pour ta femme. Oui, bien sûr.
Abby, tu te rends compte? On va pouvoir se la couler douce pendant un sacré bout de temps. Je formerai un nouveau quartet, un pianiste, un batteur, Bobby à la basse et moi à la trompette. Comme au bon vieux temps, mais avec du fric en plus. Eh, si t'arrêtais ton solo, tu vois bien qu'on est arrivé. Salut les gars! Salut. Tu gaspilles déjà ton fric, Carlo? Je gagne. Ça va, patron? Et Freddy? Il garde la bagnole. Alors, ça va, mon vieux? Qu'est-ce qui te prend? T'es dingue? Qu'est-ce qui se passe? Vous en faites... Freddy n'est pas avec toi? Non. Que s'est-il passé? Lida, un salaud a dû vendre la mèche. Ça n'a pas marché comme prévu. Que dis-tu? La police te trouvait au rendez-vous. Ils se sont bien tirés. Et Freddy? Lida, ton mari, lui... Où est-il? Il est mort. Mort? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai! Oh, Freddy. Oh. Il faut que nous partions d'ici immédiatement. Pour le moment, je resterai près de toi. Ah, c'est toi. Pousse pas, je vais tomber. Oh. Ah. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Yeah. Ah. Tu te souviens de mes amis? Salut. Bonjour. Et voici Koukoums, un authentique gourou. Hey, on descend sur la plage? Oui, d'accord. Tout finir, tant s'arrêter, ultime cataclysme s'approcher. Il est toujours aussi gai, ton ami? Il suffit de ne pas prendre au sérieux, mon chéri. Tu as le don de dénicher les oiseaux rares. Eh oui. Alors, tu t'es amusé ces jours-ci? Pas plus ni moins que d'habitude. Hier soir, nous sommes allés dans un night. Et ils ont joué la chanson que Freddy avait composée. Qui est-ce qui l'a joué? Les musiciens du night. Mais tu les connais? Non, ce que je trouve étrange, c'est que le pianiste est venu me parler après l'avoir joué. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est ça qui m'étonne. Il m'a dit... Vous vous souvenez de ce vieux blues que Freddy avait écrit pour vous? C'était peut-être un prétexte pour t'aborder. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Il n'aurait pas agi de cette manière. Quelqu'un lui avait demandé de jouer le blues pour moi, paraît-il.
C'est sans doute pour cela que tu as voulu revenir plus tôt. Je ne sais pas. Peut-être. Dida, tu viens te baigner? Oui, j'arrive. Tu n'as aucune raison d'être inquiète. La seule chose qui importe, c'est que nous sommes ensemble et que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. T'en fais une tête. J'aurais dû refuser. Refuser quoi? Ce que tu m'as demandé de faire. Que veux-tu dire? Tu sais très bien ce que je veux dire. Moi non, pas du tout. C'est toi qui m'as demandé de jouer ce blues pour cette femme. Et alors? Sais-tu qui c'est? Non. Je vais te le dire. C'est une certaine Madame Radek, l'épouse de l'homme le plus riche du pays et un sale individu. Ben, qu'est-ce que ça fait? C'est un blues comme un autre. T'as le droit de le jouer. Elle a fait une de ses têtes. Pardonne à ta petite Moira. Après tout, ce n'était qu'une blague. Tu ne vas pas m'en vouloir pour si peu, dis. Hmm? Allez, file, c'est pas le moment. Qui t'a raconté ça? Tu pourrais me le dire. C'est Polo, un gars qui sait toujours tout. Et c'est ce copain-là qui t'a fait penser qu'il y avait une combine là-dessous? Tu n'aurais pas la trouille par hasard? Tu es ce que j'appellerais une belle petite garce. C'est très gentil. À ce qu'on dit, Radek, le mari de la bonne femme, était un gars du milieu. Je ne tiens pas à me frotter à lui. Je suis un musicien. Je n'ai aucune envie de me dire à ces gens-là. Alors tire-toi. Et dis à ceux qui t'ont envoyé que je ne tiens pas à me retrouver quelque part au fond d'une rivière. Oui. Allô? Qui? Ah, c'est vous, Greg. Oui, Radek en personne. Bien, écoutez, demain a lieu la vente aux enchères des bateaux, à Southampton, oui. Portez-vous acquéreur. Je les veux tous les trois. Oui, bien entendu, voyons. On vient de me donner un tuyau. Payez le prix qu'il faudra. Il y a un cargo, le Sunset Boy, qui m'intéresse. Un plein chargement d'acajou et d'ébène. Bien, faites ce qu'il faut et tenez-moi au courant. Au revoir. Oui? Allô, Radek? Ici, c'est Moroni. Non, non, je ne suis pas tombé du lit. Écoute, Radek, je te téléphone parce que je suis très inquiet. Non, non, c'est parce que cette nuit, il s'est passé quelque chose de bizarre. J'ai une nouvelle fille qui fait du strip. Elle est bien foutue, mais elle est un peu conne sur les bords. En tout cas, ce qui m'inquiète, c'est que l'autre soir, dans la boîte, elle a posé des questions indiscrètes. Elle était ronde, et elle m'a demandé des renseignements sur un certain Fougère et un certain Carter qu'elle prétendait connaître. Pourtant, tous les témoins ont disparu. Ah, autre chose, elle a parlé aussi d'un musicien, un copain de Carter. Comment s'appelle-t-il? Elle n'a pas dit son nom. Je sais seulement qu'il jouait dans l'orchestre de Carter. Il paraît qu'il est ici. Je parie que c'est le même gars qui a parlé à ma femme l'autre soir, après que l'orchestre ait joué le fameux blues de Carter. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On va bien le savoir. Il faut faire quelque chose pour ne pas risquer de gros ennuis. Il n'y a qu'une chose à faire, tu t'en doutes. Retrouver le mec et le faire taire. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, je vais m'en occuper.
Oui, c'est une bonne idée. Un de ces soirs, je passerai au Flamingo et tu me la présenteras, d'accord? D'accord, à bientôt. Mauvaise nouvelle? Non, non, pas du tout. C'était Moroni. Il faut que j'aille au club pour le voir. Nous devons discuter de certains petits détails. Je te trouve étrange ce soir. De quoi devez-vous parler? D'une fille, une certaine Moira, je crois. Une stripteaseuse. Il paraît qu'elle est très excitante. Moroni me l'a offerte. Il a bon cœur, Moroni. Et que comptes-tu faire d'intéressant avec elle? Je peux l'amener ici, si tu veux. Pas ce soir. Je préfère que tu l'essaies d'abord. Si elle est intéressante, on s'amusera avec elle. Monsieur, monsieur, vous voulez qu'on vous porte la valise? Elle a l'air drôlement lourde. Oui, mais il est costaud. Et puis dis donc, vachement bien nippé, Miller. Fichez-moi la paix. Du twin made in England. Et crâneur avec ça. C'est qui nous cherche, ma parole. Eh ben, tu nous as trouvé. Qu'est-ce que c'est que ce petit jeu idiot? Idiot, fichez-moi la paix, c'est lui notre gars. Tu ne vas pas l'ennuyer. Éloigne-moi cette idée. C'est notre homme, je vous le dis. Alors il peut peut-être nous dire s'il fait beau à Manacoa. Va loger l'hôtel Pérez. Et maintenant, faisons comme convenu. Discret. Il me plaît pas. J'aime pas ces types, je trouve qu'ils ont drôle de bobines, pas toi? Tu les connais? Jamais vu. Ça doit être ceux qui sont pointés vers 11h. C'est drôle, on dirait qu'ils nous surveillent. Oh non, je crois que tu te trompes, Harris. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu devrais déjà être sur scène. Ouais, laisse-moi le temps de m'habiller. C'est ça ta robe? Tu me peins l'urlure? Volontiers. Très volontiers.
Freddy, t'as vu les mecs au bar? Ils te bouffaient des yeux. Oh, c'est pas nouveau. Oui, mais ceux-là, c'est pas pareil. Ils avaient l'air de vouloir quelque chose de particulier. Ah, et c'est froid! Une partie de saut en l'air, tiens. Non, ça devait être autre chose. Alors, c'est des vicieux. Non! Non, c'est autre chose. Ils avaient pas la tête des clients tous les jours. Ou c'était des gangsters, ou alors des flics, ou bien des espions russes. Toi, tu vas un peu trop au cinéma, je crois. Excusez-moi si je vous dérange. Dis pas de conneries. Si je suis trop, je peux attendre dehors. Maintenant que t'es là, autant que tu restes. Pour quand? On t'attend sur scène. Je suis venu t'avertir, il y a le boss qui te veut ce soir. Ah oui, pourquoi faire? Devine. Tu devrais te douter que s'il veut voir une fille, c'est pas pour jouer aux cartes ou aux dominos. C'est pour coucher avec, tout simplement. S'il veut coucher avec moi, c'est à lui de me le dire, pas à toi, mon chéri. Orgueilleuse? Il faut être gentille avec lui. Bon, si tu insistes, j'obéirai. Eh oui, je ne sais rien te refuser. Tu, petit chaperon rouge? Je cherche le loup. Qu'as-tu fait de ton beau petit panier? Venez à la maison, je vous ferai voir mon beau petit panier. Tu n'as pas peur du méchant loup? Je suis surprise. Je n'aurais jamais cru que vous vous intéressiez à moi. Moi non plus. Du moins, jusqu'à maintenant. Et puis, tu vois, on est là, tous les deux. Tu sais que tu m'excites. Vous, au moins, vous ne prenez pas de gueule. Tu peux me tutoyer. Nous sommes presque des amis intimes maintenant. D'accord. Mais de toute façon, vous êtes le patron, non? Je vous dois le respect, c'est normal. Oui, eh bien, oublie-le. Tu entends? Ne parle plus de respect. Tout au moins, pendant la prochaine demi-heure. Une demi-heure, rien que ça? Il faut dire qu'il y a des types très rapides. D'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins doués. Si c'est ton cas, je suis sûre que tu es très douée. Je me souviens d'un type. D'ailleurs, tu le connais peut-être, il s'appelle Carter. Il était toujours avec un copain, un certain Fougère. On m'a dit qu'on les a revus dans le coin. Non, je ne le connais pas. Mais oublie donc ce type-là. Tu veux? Avec comme signature Freddy Carter. Je me souviens de lui, un compositeur de rien du tout.
Mais j'y pense, il appartenait au milieu de la drogue, notre bonhomme, c'est bien ça? Oui, et il s'est fait descendre. Un mort, en principe, ne peut pas écrire de lettres. Il s'agit peut-être d'un autre carter. Et pourtant, celui-là parle aussi de trafic de drogue. C'est un peu gros comme coïncidence. À moins que ce gars ne possède des informations sur la vie et le passé de Fougère et qu'il se soit mis en tête de le faire chanter ou bien de lui flanquer la trouille. Ouais, ça pourrait être ça. Ou alors une petite vengeance, un petit conte du passé. Oui, tu es peut-être dans le vrai. Ce type aurait appris que Fougère et Radek sont la même personne. Il est vrai qu'on ne sait pas grand-chose sur ce monsieur Radek. On sait seulement qu'il est ici depuis un an, qu'il est bourré aux as, qu'il ne se refuse rien et qu'il possède une villa luxueuse. Et que sa femme se nomme Lida, c'est tout. Je serais curieux de savoir ce qui a bien pu inciter Radek à se fixer dans un coin aussi perdu. Je suppose qu'il a de bonnes raisons. Les accusations contenues dans la lettre sont peut-être fondées. Il est possible que Fougère se soit débarrassé des témoins les plus gênants après avoir amassé une fortune. Puis il a jugé bon de filer et de se faire oublier au plus vite. Dans un petit coin perdu de préférence. Je crois que je vais faire un long voyage. Mais, inspecteur, où est-ce que... Je vais rendre une petite visite à la police espagnole. J'ai l'intention de consulter ses archives. Allô? Ah, c'est toi, Carlo. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Écoute. J'ai eu la certitude que cette fille en savait trop. À mon avis, elle fait l'idiote. Mais elle est autre chose qu'une simple stripteaseuse. Ce qu'il faudrait savoir, c'est qui elle est et pour qui elle travaille. Oui. T'attends, Flamingo. Au revoir. Au revoir. Ah, tu es là. C'est Moroni qui m'a téléphoné. Il m'a encore parlé de cette fille. Je vais aller au Flamingo ce soir, il me la présentera. C'est original. Allez, mon lapin. Oh, bonsoir, mon amour. Chasse privée, monsieur. Cet ange nous appartient à tous les trois, vous seriez trop. Quand il y en a pour trois, il n'y en a pas pour quatre, on te l'a jamais dit. D'accord, on a l'esprit de communauté, mais il faut pas exagérer. Alors, du vent. Tu sais que tu nous plais, chérie. Seulement, te frotte pas toujours au même. Hé, pense à la communauté, tu veux? J'en fais partie, moi aussi. Eh bien, si on rentrait chez nous. Hé, d'accord. Un pipermint. Glacé. Ouais, ouais. Et écoute, il y a un type qui est avec moi, il voudrait te connaître, c'est l'armateur, tu sais, Paul Radek. Il m'a demandé si tu voulais prendre un verre avec nous. C'est une idée, pourquoi pas? Tu vois, les milliardaires sont tous comme ça. Il a apprécié ton numéro, il te trouve très sexy. Il m'a dit, cette jeune dame est jolie. Je serais heureux qu'elle me fasse l'honneur de venir à ma table. Tous les mêmes. Non, Moïra, celui-là est différent, tu verras. Il paye mieux? Avec des diamants. Bien, veux-tu? Tu parles. Moïra, je te présente Monsieur Radek. Charmé. Je suis enchantée. J'ai beaucoup aimé votre numéro. Acceptez-vous de prendre un verre avec moi? Oui, avec joie. Whisky, champagne ou daiquiri? Non, je préfère prendre autre chose. À cette heure-ci, je bois uniquement du pipermint. Ça me redonne des forces. Je ne savais pas que vous faisiez un numéro dans ce cabaret. Sinon, je serais venu tous les soirs pour vous admirer. Cela en vaut la peine. Oh, ce que vous dites là est très gentil. Et je l'apprécie beaucoup, bien que je me rende compte que vous voulez me flatter par gentillesse. Ton anatomie compense les défauts éventuels de ton numéro, et tu le sais. Très sympathique, ces petits trous. C'est aussi mon avis. Il ne laisse pas voir grand-chose. Ça peut être excitant, on comprend que je ne porte rien dessous. Buvons à nous. Alors, à nous. Mmh.
Tu es l'invité d'un des hommes les plus remarquables de ce pays. Il s'est fait lui-même. Il n'avait rien du tout. Il possède maintenant une des plus grosses fortunes du pays. C'est un voyageur infatigable. Il connaît le monde entier. Il se pourrait qu'il connaisse tes amis. Excusez-moi un instant. Je recherche depuis longtemps deux amis à moi qui ont disparu. Peut-être les connaissez-vous? Tout est possible. Ils s'appellent Carter et Fougère. Ça vous dit quelque chose? Fougère, non, rien du tout. Non. Mais je connais un Carter. Voyons que j'essaie de me souvenir de son prénom. Freddy. Oui, Freddy. Mais alors c'est lui? Il est ici? Non. Non, quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Il y a environ un an, à Torremolinos, en Espagne. Alors ce n'est pas la même personne, non. L'homme dont je parle est mort il y a 2 ans. Et je me souviens, il y a exactement 2 ans. Monsieur Radek, êtes-vous sûr qu'il est mort? Oui. Oui, tout à fait sûr. Mais si l'homme que je cherche était le fils de Carter? Il n'avait pas d'enfant. Que cherchez-vous? Exactement. Moi, rien du tout. Et vous? Je crois bien que c'est vous que je cherche. Mais j'aimerais que nous puissions parler plus tranquillement. En d'autres termes, vous aimeriez qu'on fasse l'amour? J'aime votre spontanéité et j'aurai une affaire à vous proposer. Vous êtes sérieux? Allons chez moi pour en discuter. Pas ce soir. Mais nous aurons l'occasion de nous revoir. Entendu. Moi, je suis toute prête à discuter affaire. Elle est complètement idiote. Disons qu'elle est mal élevée et vulgaire, mais elle est très maligne. Je suis certain d'une chose, c'est qu'elle joue la comédie. Qu'est-ce qu'elle peut bien chercher? Je suppose que son rôle, c'est de poser des questions et de se renseigner sur nous. Mais je crois qu'elle ne sait rien. Et si c'est les flics qui l'envoient? Oui, c'est bien possible. Ça doit être ça. Et c'est d'ailleurs ce qui m'inquiète. Il faut à tout prix qu'on sache d'où elle vient. Ça, c'est facile à dire. Écoute, faisons une chose. Je vais téléphoner au colonel Ferry. C'est vrai, il doit être au courant. Il suffira d'un petit pot de vin. C'est lamentable que les flics engagent une petite comme ça. Une gamine. Il n'y a pas toujours des matins à arrêt. Allô, colonel Ferry? Comment allez-vous, cher ami? Oh, je vois. Ah, à propos, nous avons une bonne nouvelle pour vous. On vous a réservé une participation dans l'affaire des épaves de Rocablanca. Oh, mais voyons, c'est normal. À bientôt, cher ami. Ces imbéciles. C'est bien ce qu'on pensait, ce sont les poulets. Pour l'instant, ils nagent encore. Et alors, tu as tort de t'inquiéter. Mon cher Moroni, crois-moi, rien n'est perdu. Cette fille pourrait se noyer dans la baie, qui sait? Non. On aurait aussitôt la police à nos trousses, j'en suis convaincu. Laisse-moi faire, mon vieux. J'ai toujours été à la hauteur de la situation, non? Dire où habite Monsieur Mario Camacho? Bien sûr. C'est la troisième maison à gauche en descendant l'escalier. Freddy! Content de te voir! Alors, comment ça va? Ça va, ça va. Ouf! Alors, vous êtes allé au Flamingo? Oui, 2 fois on y est allé. J'ai vu la gonzesse. Alors là, mon vieux, ça vaut le coup d'œil, je peux te le garantir. Elle fait un numéro sensationnel, elle se paye une statue. Jamais vu un truc pareil. Je lui ferai une petite visite. À propos, est-ce que toi ou les copains, vous connaissez un certain Radek? Oui, c'est un beau fumier, ce mec-là. Comment le sais-tu? Tu le connais personnellement? Tout le monde le connaît. Il doit y avoir 2 ans qu'il a débarqué dans le patelin. Ici, tout lui appartient. Il a acheté tous les bateaux. Mais les pêcheurs sont obligés de travailler pour lui, et ce fumier les exploite. Ils n'ont pas le choix, tu comprends? Et dans le commerce, c'est pareil. Ce type a le monopole de tout. Pourquoi les gens ne réagissent pas? C'est vite dit. T'es marrant, c'est les pauvres gens. Ils n'ont pas le courage de l'affronter. Il est tellement salaud, ce type-là. Ouais, je comprends. Et toi, tu le connais? Oui.
Bien, dans ce cas, dis, j'espère que t'as pas peur de lui. Non, t'en fais pas. Hé, hey, Miss Rosita, sers-nous des jus de fruits, on arrive. C'est ici mon coin favori. Il est sensationnel, ce petit port. Je viens souvent ici pour me reposer. Je regarde sortir les bateaux de pêche ou voler les mouettes. Dis, tu aimes les mouettes? Pourquoi m'avoir amené ici? Je veux que tu connaisses mes secrets, avant de te faire une proposition. Parlez, je vous écoute. Quelle est cette proposition? Je suis tout ouïe. Vous êtes toujours là? Mercredi, je dois partir. Il faut que je me rende en Europe. En Europe? Vous avez bien de la chance. C'est un voyage sensationnel. Mais je ne vois pas en quoi ça me concerne. Je voudrais que tu viennes avec moi. Et votre femme? Ne t'inquiète pas, elle n'est pas jalouse. Elle est très large d'esprit. Elle est heureuse que je m'amuse. Je vais te la faire connaître, tu verras. Je suis sûr qu'elle te plaira. Bien. Oui, oui, votre femme. Me voilà. Tu me demandais où était ma femme? Eh bien, la voilà. Admets qu'elle est belle, hein? J'admets. Où est-ce que vous étiez? Je vous allais me changer. Parallèle horizon, montrer effondrement civilisation perverse, seul grand maître des ténèbres, connaître façon, sauver humanité, effondrement, Koulade. Si on s'en allait, pour aujourd'hui ça suffira. Koulade. 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 Okinawa Kalamedo. Où allons-nous?
Qu'est-ce que tu as? Rien, je te dis. Oui, il n'y a plus rien entre nous. Nous le savons tous les deux. Ni bon, ni mauvais. Non, ce n'est pas vrai. Je ne sais pas pourquoi, mais ces derniers temps, je repensais à notre bonheur d'autrefois. Moi aussi. Autrefois, on était heureux. Mais la flamme a baissé petit à petit, sans nous prévenir. Nous ne sommes qu'un homme et une femme qui vivent en commun. On ne fait même plus l'amour, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre. Nous sommes mariés. Mariés? Oui, officiellement peut-être. Mais c'est tout. Rentrons, veux-tu? Je prends le volant. Je monte me coucher. Dors bien. Bonjour, monsieur. On a apporté cette lettre pour vous, monsieur. Merci, Firmin. Est-ce que monsieur a besoin de moi? Non, tu peux aller. Bien, monsieur. Cher Fougère alias Radek, tu te souviens? 54 contrebandes en Afrique, 57 trafic d'armes en Équateur, etc., etc. J'ai 1000 preuves contre toi. Je t'attends mardi à minuit dans le Vieux Moulin. Freddy Carter. Alida, mon épouse, mon amante, Freddy. Qu'est-ce qui t'arrive? Alida. Je viens de recevoir une lettre. C'est incroyable. C'est Freddy qui me l'a écrite. Oui, ton ex-mari. Il n'est pas mort. Je ne suis pas dangereux. Que me voulez-vous? Tu me plais, je te désire. Ah, c'est donc cela. Je suppose que vous êtes un nouveau client du Flamingo. Oui, j'ai vu ton numéro. Oh, je dois vous prévenir qu'on paye cher. Je m'en moque. J'ai beaucoup d'argent. Il n'y a donc pas de raison pour qu'on ne puisse pas s'entendre. Tu me rends fou. J'ai envie de toi. Allons, un peu de retenue. Dis-moi, dans quoi tu travailles? Dans beaucoup de choses. Et tu es ici depuis longtemps? Non. Tu t'es déjà fait des relations? Oui. Donne-moi une cigarette, tu veux? Tu n'es pas bavard. Non.
C'est des brunes? Non, des blondes. Mmh. Je n'aime pas fumer. Ah non? Pourquoi tu fumes alors? Comme ça, sans raison. Tu commences à m'intriguer. Tiens, et pourquoi? C'est drôle, tu es ici, mais tu as l'air de penser à autre chose. Non, je pense à toi. Confidence pour confidence. Tu m'intrigues toi aussi. Ah? Ça te surprend? Ce n'est pas l'argent que tu cherches, l'amitié, l'amour, ça m'étonnerait. Alors, que veux-tu de moi? Mais c'est toi qui m'as cherché, ce n'est pas moi. Non. Tu as accepté que je vienne parce que tu tenais à me poser des questions, tu veux savoir qui je suis. Mais ne parlons plus de ça. D'accord? De quoi veux-tu que nous parlions alors? D'amour. Cher commissaire Pérez, comme convenu, je vous envoie le rapport mensuel. Ici, il y a pas mal de salauds, comme partout d'ailleurs. J'ai fait une partouze avec un certain Radek et sa femme. Ma mission avant tout. Elle est lente, elle est fou, mais lui, il a une drôle de bobine. Il est plus ou moins impuissant. Je ne sais pas si c'est le type que vous cherchez. En tout cas, j'ai l'impression qu'il est mêlé à des affaires plutôt louches. J'ai connu aussi un type d'une quarantaine d'années. Il est gentil. Il me semble que lui aussi est dans le coup. Dites-moi ce qu'il faut que je fasse. Et n'oubliez pas mon chèque, le premier du mois. Le striptease, ça ne paye pas lourd. Et je commence à être sérieusement fauché. Votre dévoué, Moira Ray.
Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Comment veux-tu que je le sache? Oh, c'est impensable de faire un tel boucan à cette heure-ci. Mais enfin, que se passe-t-il? Quelqu'un est entré dans la maison. Je comprends rien, les trucs bizarres ici. Ouais, je crois qu'il est temps qu'on se tire. On trouvera bien d'autres pigeons, allez, viens. D'ailleurs, je trouve que ça sent le brûler dans cette maison. On fait bien de se tirer. Malédiction, Shiva, retombée sur maison. Et Marcel, tu te grouilles? Hein? Te fatigue pas, personne te regarde. C'est eux qui t'ont fait une blague. Qui? Ces idiots? Non, ça m'étonnerait fort. Ils étaient dans la maison? Ce n'est pas eux, j'en suis sûr. Et alors? Une seule personne au monde. Une seule, c'est ce que représente pour nous cette musique maudite. Oui, une seule personne peut avoir fait ce coup. Il n'y avait que Carter, pour autant que je sache. Oui. Mais il est mort. Moi aussi, je le croyais. Seulement, je commence à me demander s'il ne s'en est pas tiré. Ce serait bien notre veine. C'est bien la première fois que je te vois nerveux. Il faut qu'on fasse le tour des hôtels, des pensions, de tous les bars. Tu veux vraiment qu'on cherche un homme mort? Oui, il le faut. C'est toute notre vie qui est en jeu. Tu ne te rends pas compte de ce qui nous tomberait sur le dos, Moroni, si la police venait mettre son nez dans nos affaires. Je n'ai pas peur. S'il y a des revenants, il faudra les faire disparaître. Une bonne fois pour toutes. Thank you.
entendu. Et nous plierons ses ravisseurs, sans aucun doute. Au revoir, madame. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Comment allez-vous? Ah, quel honneur et quelle surprise. C'est amusant, je pensais ne vous voir dans ce fauteuil que l'œil triste et les menottes au poing. Et moi, j'étais loin de penser que vous étiez aussi drôle. Je vois que j'avais tort. Ah, on arrive difficilement à connaître les gens. Au fait, que voulez-vous? Il s'agit justement de quelqu'un que je voudrais connaître. Sans doute un étranger. D'une personne qui se mêle de mes affaires. Ça devient plutôt ennuyeux. Je ne vois pas où il veut en venir. Peut-être au chantage. Ah, vous avez donc des secrets inconfessables? Non. Je n'ai pas dit cela. Je suis sûr que vous avez la conscience tranquille. Écoutez, qu'est-ce que vous feriez si un inconnu s'introduisait chez vous la nuit, comme un cambrioleur, qu'il se promène ensuite dans votre maison, qu'il fasse comme chez lui? Dites-moi franchement ce que vous feriez. Vous seriez d'accord? Vous accepteriez cela? Et qu'a-t-il donc volé? Voilà le hic. Rien n'a disparu. Monsieur le cambrioleur n'a rien cambriolé. Il a réveillé toute la villa en mettant l'électrophone à plein volume. Vous y comprenez quelque chose? Ce n'est pas normal, inspecteur. Vous êtes bien d'accord? Vous pensez donc que quelqu'un vous en veut? Et c'est évident qu'on m'en veut. Enfin, non, pas à moi. Mais à mon associé, monsieur Radek. Il a un certain culot, cet inconnu. Inspecteur, j'exige une enquête. Immédiate. Bien. Puisque vous le voulez, nous ferons une enquête immédiate sur cet inconnu et sur les raisons qu'il peut bien avoir pour vous bousculer comme ça. Merci. Au revoir, inspecteur. Oh, j'ai retrouvé mon trésor, mon chéri. Vous voyez, je vous l'avais dit que vous le retrouviez, votre petit toutou. C'était une fugue. Oh, le petit voyou, va. Merci, je n'ai rien. De rien. Ah, voyons, nous sommes là pour ça. Au revoir, madame. Et conne. Si tu veux danser, je vais prendre des leçons. Bonsoir. Salut. Tu attends quelqu'un? Peut-être, pourquoi? Un nouveau flirt? C'est ça, hein? Tu es jaloux? Moi, je m'en contrefous. Je voudrais que tu te méfies de tes fréquentations, c'est tout. Et si tu faisais un numéro pour moi tout seul, hein? Attention à la marche. Tu as décidé de t'installer ici, dis. J'ai une bonne idée, prenons un appartement ensemble. J'aime trop mon indépendance, ma chérie. Oh, quel salaud! C'est quand tu veux faire l'amour avec moi que tu te souviens que j'existe. Mais enfin, je te pardonne. Je vais te confier un secret. Moi aussi, j'aime faire l'amour avec toi. Tu pourras au moins me dire ton nom? Freddy Carter. Oh, ça, alors c'est la meilleure. Trois cents.
Non. Moi, je vois. C'est moi qui ramasse. On va se taper un chouette couscous. Je suis inquiet pour Freddy. Qu'est-ce qu'il fait, ce con-là? C'est pas normal, t'as raison. Quelle heure il est? Tu te rends compte, il est minuit déjà. Je crois que je vais aller faire un tour dans le quartier. Prends ma place, Rosa. Et je t'avertis si tu perds. Rassure-toi, t'es en sécurité, tu ne risques rien ici. Je suis une amie, Rosa. Comment suis-je arrivé ici? C'est moi qui t'ai retrouvé. T'étais drôlement sonné. T'as eu du pot de t'en tirer, faut bien le dire. L'autre, c'était pas son jour de chance. Au fait, je n'ai pas encore fait les présentations, je suis vraiment impardonnable. Je te présente notre femme. Comment ça, votre femme? Oui, bien sûr, notre femme, la femme qu'on se partage à trois. Dis-moi, où as-tu mis le cadavre de Moroni? On l'a remis à sa place, dans une poubelle. Alors, comment te sens-tu? Un peu mieux, oui? Oui, oui. Je t'ai pas sonné, toi. Au fond, c'est moi l'infirmière et je suis en droit de faire le diagnostic. Alors, tu te sens de nouveau frais et dispo? Disons que je me sens un peu mieux, mais je me sentirai encore mieux quand j'aurai foutu une trempe à un vieux copain, un beau salaud, à qui j'ai donné rendez-vous dans le vieux moulin. Tu ne dois pas y aller. Tu n'es pas en état de te battre, voyons. Ne te mêle pas de ça, tu veux. Et puis d'ailleurs, fous le camp. Déquille. Écoutez, j'en ai ras-le-bol de vos histoires. C'est pas une vie avec vous. Je suis une idiote de vous avoir supporté. Faut dire qu'elle a pas tous les torts, la petite. Tu n'es pas très très frais. T'amuses donc pas à jouer les héros. Ça marche pas tous les coups, mon vieux. Lui, là, on n'a pas que toi à protéger. Oui, je sais. Mais je me débrouillerai sans son aide. Et à propos, si j'y allais à ta place, au fond, quelle est la différence? Entre copains, on doit s'aider, non?
Non, non, c'est inutile, je vais y aller seul. Écoute, tu sais ce qu'on va faire pour pas discuter, on y va tous avec toi. Je pensais que vous m'aviez déjà oublié. Entrez. Asseyez-vous. C'est bien chez toi. Au fait, je suppose que tu te demandes pourquoi je suis venu te voir. Je crois l'avoir déjà deviné. Ah oui? Alors, pourquoi? Parce que vous êtes comme tous les autres. Plus élégant, plus raffiné peut-être. Mais au fond, un homme comme tous les autres. L'autre soir, monsieur Radek, pourquoi vous n'avez pas fait l'amour avec moi? Je vous excite. Vous aviez envie de mon corps, alors pourquoi? Maintenant, nous sommes seuls, alors. Qu'est-ce que vous attendez? C'est trop long à expliquer, Moira. Je ne tiens pas du tout à t'ennuyer. Vous avez tout à fait raison, parce que s'il y a une chose que je déteste, c'est de rester sur ma faim. Venez, nous discuterons plus tard. Parlons plutôt de ce projet, tu te rappelles? C'est que je n'ai jamais cru aux histoires que racontent les hommes, ce sont tous des menteurs. Non, pas tous. Moi, j'ai un projet à te soumettre, Moira. Le moment est mal choisi. Je ne suis pas d'humeur à discuter maintenant. C'est important, Moira. Je te paierai une grosse somme, une très grosse somme, si tu me fournis certaines informations auxquelles je tiens. Tu peux te les procurer sans difficulté. Oh, qu'est-ce que vous êtes enquiquinant. Cesse donc ce petit jeu. Tu n'es pas aussi bête que tu vas en avoir l'air. Je ne joue aucun jeu. Je ne suis qu'un petit animal qui a besoin de caresses et d'amour. Moira, je t'ai dit de cesser ce petit jeu. Tu es une vulgaire petite garce. Une espionne à la petite semaine. Je veux savoir pour qui tu travailles. Je travaille uniquement à mon compte. Et dans quel but? Le chantage? Je ne te crois pas. Je suis convaincu que tu travailles pour quelqu'un. Qui est-ce? Oh, vous êtes très impoli, ou alors je ne vous fais pas le moindre effet, monsieur Radek. Allons, venez. C'est pour Carter que tu travailles. Admets que c'est lui qui t'envoie nous espionner. Combien te paye-t-il? Je te paierai beaucoup plus. Je te donnerai ce que tu veux. Tu peux dire à celui qui t'envoie qu'il se trompe s'il pense m'intimider. Moi, je ne crains personne. Et lui, moins qu'un autre. Il s'en apercevra bientôt, puisqu'on doit se rencontrer. Prochain, je t'attendrai à minuit. Dans le vieux moulin en face de chez toi. Mardi prochain, Radek. C'est-à-dire demain. Demain, on réglera nos comptes, Radek. J'aurai ta peau comme j'ai eu celle de Moroni.
Encore? Tu ne veux pas me dire ce qui t'arrive? Je ne veux pas aller à ce rendez-vous. Je ne veux pas y aller. Tu as peur? Ces imbéciles, ils sont incapables de le retrouver. Mais qu'est-ce qu'il me veut donc? Il a déjà tué Moroni. Je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. Où cela? Je n'en sais rien. Loin, très loin. Mais tu ne te rends donc pas compte. On ne gagne rien en s'échappant. Il faut affronter la situation. Qu'est-ce qu'il veut? De l'argent. On lui en donnera. Moi, depuis si longtemps, ça m'étonnerait. D'ailleurs, il faut que je le voie. Il faut que je légalise la situation. Tu n'as pas pensé à tout cela? Je pense à sauver ma peau, si tu permets. C'est la seule chose qui m'intéresse maintenant. Mais il ne veut pas te tuer, tu es fou. Pourquoi a-t-il tué Moroni, alors? Légitime défense. Moroni l'a attaqué. Je t'ai déjà dit que tu ignores un tas de choses dans cette affaire. Oh, et puis tant pis. De toute façon, que tu l'apprennes aujourd'hui ou demain. Que j'apprenne quoi? Cette nuit-là, j'ai tiré sur Carter. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû. Mais pourquoi? Pourquoi as-tu fait cela? Carter et Jules me gênaient. Ils savaient beaucoup trop de choses. Alors j'ai jugé prudent de me débarrasser d'eux. Au moment opportun. Mais ce qui m'a poussé surtout à éliminer ton mari, c'est que j'étais amoureux fou de toi, Lida. Et que je voulais t'épouser. Tu aurais dû me le dire depuis longtemps, nous aurions trouvé une solution. Tu aurais tort de fuir. D'ailleurs, de cette façon, tu ne résoudrais rien. Je t'accompagnerai au rendez-vous. Je sais ce que tu penses. Je devrais pleurer, t'insulter. Mais le temps a passé. C'est si loin, tout ça. Carter n'est pour moi qu'un souvenir presque irréel. J'ai été heureuse avec lui. Mais tout ça, c'est fini. Bien fini. Tu as rempli ma vie. Tu es ma vie de chaque jour. Tu es mon mari. Le reste ne compte pas. C'est toi, Carter? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je suis l'inspecteur Fenton de la brigade criminelle. Voici mon assistant, le sergent Peck. Et que faites-vous ici? Je devais voir Carter. Je le sais bien. C'est lui qui me l'a dit. Et qui m'a demandé de venir. Carter, je... Quel effet ça te fait de me revoir? Tu as manqué de chance, j'ai été sauvé par la police. Oui, c'est exact. Vous êtes vraiment malchanceux. Désormais, Carter est de notre côté, du côté de la police. Il travaille pour l'Interpol. Vous êtes surpris, Fougère, alias Monsieur Radek? Nous étions devenus des témoins gênants. Nous savions beaucoup trop de choses. Tu es une ordure, tu n'as pas hésité. Et nous qui te faisions confiance depuis des années. Non seulement tu as voulu nous descendre comme un lâche que tu es, mais il a fallu que tu me prennes aussi Lida. Je vous félicite, Fenton. Vous êtes très fort. Et vous êtes chanceux, vous. Et oui, la roue tourne, ce qu'on dit. Pourtant, votre plan était au point. On vous a cru mort dans cet accident. La voiture qui prend feu et le corps de Fougère. Carbonisé. Mais alors, dans ce cas, qui m'a trahi?
Si tu tiens à le savoir, c'est moi qui ai parlé. C'est moi qui ai tout dit à la police. Toi, ce n'est pas vrai. Tu veux des détails, Paul Fougère? Bien. Un jour, un musicien du groupe m'a reconnu. C'est grâce à lui que j'ai su que Freddy était encore vivant. Dès lors, toutes mes promenades, mes voyages, mes sorties n'avaient qu'un but. Pouvoir retrouver le seul homme auquel j'ai jamais tenu. Comment as-tu pu me faire ça, Lida? Nous serons heureux malgré toi. Et toi, tu vas payer. Un seul geste et je la tue. Laissez-moi passer, Fenton. Ne faites pas les idiots, je vous avertis. Je vous ai dit de tomber. Lila, tu as été mon seul et unique amour. Folle, Moira. Laisse-moi passer. Non, et je te conseille pas d'essayer. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ah, tu n'as rien fait. Moi, je n'ai pas oublié. Je n'ai qu'une envie, c'est de te tuer. Et n'essaie pas de me la faire, parce que ça ne marchera pas. Écoute. Tais-toi! Tu me dégoûtes. Tu crèves de peur. Tu n'es qu'une ordure qui a toujours profité des autres. Moira, laisse-moi passer. Ne fais pas l'idiote, Moira. Reste où tu es! Essaie de comprendre, Moira. Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit. Si, je le ferai! Tu n'as pas le droit, Moira. Ah!